Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Rajputraish, dans laquelle j'ai oublié de garder la musique, sur Europa Universalis 4, une série dans laquelle on vient de terminer notre guerre avec Malwa et Jaunpur, nos guerres avec Malwa et Jaunpur, qui ont fait qu'on n'est pas loin de... On a 90% maintenant de la culture hindoustanie, il nous reste Jaunpur, enfin il nous reste 3 provinces, 4 en comptant ceux-là, qui est maintenant garanti par Malwa et qui est allié à Jaunpur. Ça aurait été rapide, je le reconnais. Pourquoi pas. Du coup, ça fait venir les deux. C'est intéressant. Alors, on va envoyer lui ici, lui là. Lui ici et lui là. Toi, tu vas rester là. On a 1, 2, 3, 4, 5. Et ces deux gars, là, je ne sais que faire. On peut techniquement refaire un stack. C'est un peu cher, non? C'est quoi le prix du stack? Quel est le... À combien est le stack? Bon, déjà ça. Oups, là. Alors, on revient. Ok. Et nickel. D'accord, c'est juste des chevaux. Mais quel est le prix du stack? C'est une bonne question. On est peut-être sur du 32. 14, 3, 15, c'est juste. Coup de maintenance à 15. Donc on peut pas vraiment se le permettre pour le moment. Vous deux, bah, restez là. Hein. C'est pas nécessaire de vous défoncer. À moins que... Mais non. Hein. On peut compléter les garnisons, mais on peut pas encore récupérer les unités démantelées. Donc ça vaut pas la peine de s'occuper de ça. Financièrement, on a vu, on gagne 8 par mois. On n'a pas de renfort ou peu de renfort. On a une petite corruption. Liée à quoi? À la surexpansion. Ah ouais. Ok, donc on s'en sort plutôt pas mal financièrement. C'est plutôt correct, c'est bien. On a des niveaux 3 dans tous les sens, donc c'est tout à fait correct. On peut utiliser un peu notre argent pour s'améliorer. On peut notamment faire des jolies manufactures. Je propose d'en faire 2. Et puis, on pourrait même encore peut-être faire un bâtiment comme ça à Kaboul, pourquoi pas, qui peut être intéressant pour la suite. Pour ce qui est des provinces afghanes, on est quand même passé à 58%. On va voir s'il est intéressant pour nous de baisser un petit peu l'autonomie dans certaines provinces. Je pense que oui, honnêtement. Peut-être pas là où il y a 10, mais là où il y a 58, ouais. 37 aussi. On va générer de l'agitation, bien sûr. On accepte ce fait-là. Allez, aussi, Guild, ouais, c'est pas encore légitimé. Ouais, alors ça, je pense que ça vaut pas la peine, c'est à 94%, c'est... Comment ça se fait que ce soit à 94%? Elle est où cette province à 94% qu'on peut toucher? C'est ici? Non. C'est laquelle? Pourquoi il y a une province à 94%? Bon, comment elle s'appelle? Kermanshah. Ça sonne perse, tout ça. Yeah, ok. Bon, bah non, vas-y, hein, descends là. A priori, c'est déjà dans un état. Ça, bien sûr. Ça aussi. Oui. Waouh, ok. Là. Aussi également. Ça n'arrête pas, hein. Ok. Quand même drastiquement baisser l'autonomie partout, hein. Là. En plus, on est à l'ère des absolutismes, non? Ouais, c'est très bien. On n'a pas énormément d'absolutisme maximal, par contre. Ouais, parce qu'on a encore beaucoup de ces machins-là. On n'a pas réussi à récupérer beaucoup de terres de l'État, malheureusement. Les Jains sont relous. Bon, on va faire ça. Ils vont être moins relous. On peut d'ailleurs essayer d'améliorer leurs relations. Donc, pour l'instant, non. Hormuz appartient... Non. Et effectivement, un marché à Kaboul, ça me... ben, c'est ce qu'on est en train de faire, si je me rappelle bien. Donc ça me va très bien. On le récupère un petit peu de tout ça, voilà. Et on peut effectivement enlever des trucs. Par exemple, conseil au Brahman. Absolutisme...
20 de loyauté, c'est un problème. On va éviter pour le moment. On vend ça, par contre. Très bien. Et là, on récupère un petit peu d'absolutisme maximal. Parfait. Il y a presque les trucs qu'on a donnés. Donc, il faudra les virer petit à petit. On peut utiliser nos points militaires sans trop de soucis. Notamment, cliquer une petite fois là-dessus pour passer à 45. Pour avoir le max de légitimité et monter un petit peu ça. On pourrait fondamentalement se battre contre des rebelles à gauche à droite. Peut-être pas ceux-là qui vont pas tarder à arriver. Hein, qu'on attend, on va dire. Mais les fanatiques hindous... Ouais, on peut faire ça. Les séparatistes jaunes pourris. Ça m'embête un petit peu, c'est cher. Et ceux-là, on peut pas. Ceux-là, ça coûte quoi, ça dit ? Ça coûterait un peu moins cher. Mais ils vont pas tarder à arriver, j'aurais presque même tendance à les pousser à la révolte. Ok, on peut rester à Malwa du coup, hein, vu qu'on va devoir réattaquer Malwa, mais je rentre tout de suite. C'est un tout petit peu embêtant quand même, je vais être honnête, mais acceptable tout de même. Financièrement, j'ai pas vu... Ouais, quand même, hein, ça a changé un tout petit peu, hein, quand on a de virer toute cette autonomie partout. Alors, on est en position, parfait. Tu peux donc y aller. Kalinjar... Ok, bah tu fais venir les deux. Bon, ben bah, d'accord. Un peu leur problème, j'ai envie de dire, quand même, au bout d'un moment. Très bien. On va pas aller leur demander grand-chose, particulièrement Jaunpur. Jaunpur, on veut qu'ils, pouf, direct, quoi. J'entends mes alors le plus vite possible qu'ils sortent de cette guerre. Pour ce qui est de Malwa, c'est un peu un détail, honnêtement. On verra bien comment évoluent les choses. Je vais prendre ça, comme ça sera fait. Je sais pas à quel moment ils se sont dit que c'était une bonne idée de s'allier et de garantir cette OPM. De nouveau replanquer un petit peu nos bateaux, histoire de pas se les faire redéfoncer par Malwa, ou défoncer par Malwa, parce qu'on se les était pas fait défoncer avant. On a réussi à ne pas perdre tous nos bateaux, ce qui est déjà un exploit en soi. Siège, toi. Non. Reviens là, Osef. Ou reviens là, histoire de les empêcher de bouger trop long. Une fois que toi t'auras fini ça, t'iras faire leur capitale, puis ça sera bon, je pense. Ce qu'on veut, bon, de ceux-là, là, c'est pas hyper compliqué, c'est ça. C'est the usual suspect. Fais pas trop de soucis. On peut peut-être essayer d'améliorer un peu la nation avec Gujarat, non? Ouais. Sans souci. Ça, on évite d'aller en chercher un autre. Dans ces coalitions. C'est pas forcément plus mal. Le siège de Jaunpur est terminé. Parfait. De siège, toi. Ben, on va faire ça, quoi, du coup. Toi, par ici. Ok. Un âge d'or pour la culture. Un artiste de niveau 2. Très bien. Toi, t'as deux de siège. Toi, t'as moins. Tu retournes là. Ceci. Ok. Alors, Malwa, on peut aller chercher. On s'en fout des réparations de guerre et de l'argent, je pense. Voilà, qui est fait. Toi, tu vas aller un petit peu dans cette région-là, pour être honnête. Toi, tu reprends le gars qui est lui, par exemple. Comme ça, tu génères moins de tout ça. Toi, tu vas aller là. Toi, tu vas aller ici. Yes, parfait. Et toi, tu finis le taf. Bagelkand, très bien. Et on a donc terminé notre truc ici. C'est super. Chez les Brahmanes, on doit pouvoir leur virer le conseil des Brahmanes.
Je me fais pas de soucis. Parfait, notre absolutisme maximal monte de 10. Nickel. Ok, je les avais pas vu venir ceux-là. Très bien. Yes, et Gujarat ne pose plus de problème. Kalinjar rentrerait dans une truc, mais bon, on va les bouffer, donc on pose F. Voilà, ça c'est fait. Et puis on parlait d'attaquer Timmy, hein, si je ne me trompe pas. Timmy, tu fais venir qui dans cette histoire? Hack. Oh mon dieu, quelle horreur. Ici, tu vas protéger le commerce à Basra, encore une fois. Toi, tu vas aller t'occuper de Hack ici. Toi, tu vas aller t'occuper de Timmy ici. Toi, tu vas t'occuper de Coras. Non, tu vas t'occuper des rebelles. Toi, tu vas t'occuper de Khorasan ici. Et puis, comme ça, on sera bon pour les attaquer après. Tous ces gens-là. Du métal de bon marché. Ok, super. Et on a assimilé une culture. Parfait. On n'a pas de revendication contre Timmy. Sérieusement? Waouh. Bon, ben, faisons une revendication contre Timmy. Ok, des états. Un état de Geard. Ben, vas-y. Ça qui va nous coûter un bras. On peut construire des bâtiments, again. Tac, continue de nous faire des trucs comme ça qui valent un peu de l'argent. Des trucs d'impôt à 0.15, des trucs de prod à 0.21.16. 0.15 aussi, parfait, nickel. Nickel, on a réussi à les choper avant qu'ils nous posent problème, je suis très content. Oui, Kara, si tu veux, d'autant plus que ça va nous permettre d'améliorer notre légitimité et donc de récupérer de l'absolutisme, c'est toujours... Warsite, toi mon gars, tu restes là parce qu'il y aura certainement des rebelles à affronter dans la région. Parfait. Et qu'est-ce que je voulais voir en ce qui concerne... Ah ouais, là. Bon, on va faire encore un peu gaffe, les laisser monter. Hein. Ils ont quand même 67 de loyauté. Une fois qu'ils sont montés un petit peu, on pourra virer quelques-uns de leurs trucs. Ça notamment. Ça aussi. Et là, il y en a plein. Bon, le problème des Mansabar, c'est qu'ils ont énormément d'influence. Donc, tant qu'ils ont cette influence-là, ça va être compliqué. Ou alors, tant qu'ils n'ont pas la loyauté. Ouais, 70, 80, bon. On va le faire petit à petit, quoi, bien sûr. Pariouche, ouais, c'est bon. Traditionnel truc relou, quoi. Ces Jains sont juste impiffables. Je vais être honnête avec vous. J'ai pas envie de perdre 1000 à chaque fois. On a vraiment qu'on ait plus affaire à ces Jains, ils sont insupportables. Okay. On arrive gentiment du côté de Timmy. Et notre trêve se termine, mais on n'a plus par contre de ça. Syncrétisme soufi, mysticisme ou légalisme. Alors, mysticisme, ça fait perdre la loyauté aux oulémas, ce qui n'est pas idéal. Puissance locale des missionnaires ou contrée du Bundelkund, c'est ce qu'on est en train de faire. Non, c'est pas genre exactement ce qu'on est en train de... Non, c'est pas le même. Ça ressemble, mais c'est pas le même. Bundelkund. C'est à côté, d'accord. Et pour le coup, c'est un peu les prochaines provinces qu'on va vouloir... Il y en a d'autres, il y en a d'autres. On peut attendre, ça prend combien de temps? 10 ans. Ok, très bien. Et comme ça, les oulémas sont contents, ce qui nous fait qu'on peut enlever ça. Super. Et récupérer 65 de absolutisme maximal. Très content. Très bien, Timmy, on va attendre notre revendication chez toi, parce qu'on a oublié d'en faire une. C'est malin. Oublié qu'on avait besoin d'en faire une, surtout. Passer vitesse... Ouh, j'ai fait plus, moins. Passer en vitesse plus. Voilà, c'est en vitesse 5. Alors, on peut prendre un... Ouais, je pense que ça vaut la peine. Efficacité commerciale, parfait. Qu'est-ce que je voulais... Je voulais voir de nouveau un autre truc... Je sais plus. Bref, reviens de là. Ah oui, si. La frontline. 30.
Si j'attaque Timmy, non, j'ai vraiment, j'ai pas de Cassius Belli pour attaquer Timmy. Waouh. On va essayer un vraisemblable. On va te mettre là, toi, maintenant. Reviens là. Ok. Bundelkund, qui n'était pas un état avant, d'accord. On a les points admin pour légitimer tout ça. Très bien. Ok. Commandant nous a quitté. On va pouvoir en refaire un, du coup. Ouais, on a plus de 60 maintenant. C'est bien. Très bien. On pourrait faire notre gars aussi, mais il est vraiment pas dégueu. On fera éventuellement notre héritier quand il sera en âge. Il est moins intéressant. Et il devrait être aussi bon militairement que l'autre. Donc on ira certainement dans ce sens-là. Ok, nickel, 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 nickel. Tu peux aller par ici. On aura certainement des rebelles un peu dans tous les sens, a priori. Fais un petit peu gaffe ici, toi, quand même. Mais du coup, tu vas reprendre... Reprends-lui, 6-1-2. Ou bien prends-lui, alors. Voilà, très bien. Ah. A priori, ils vont aller ici, non ? Il y a un fort à Kalinjar. Financièrement, on a... C'est pas un problème. Non, il... Kendu Jari. C'est encore autre chose à voir. Ok. Un prochain rebelle, séparatiste Timuride, à Termes Keshekulob. Bon ben, c'est là, quoi. Ouais, c'est carrément là. Probablement Kulob. On va les attendre là-bas. Pas de soucis, on n'a toujours pas notre revendication sur Timmy. Si tu veux la Théo. T'es en guerre contre qui, by the way? Ok. S'entrer dans une guerre maintenant, évidemment. Allez. On va faire une manufacture, let's go, let's go, allez, allez. Très avec la transaction, je m'en fous un petit peu, 2 mois, et puis on est goal pour les Timurides. Allez, encore un petit mois, personne dessus pour le moment. Voilà. Si, ils sont dessus. Ah, c'est insupportable. Forcément. Ok, bon, on va faire ça comme ça, et on va déclarer la guerre quand même, parce que pas grand chose d'autre à faire. Ok. Merci. Ah, qu'une ne vient pas. Bon, c'est déjà ça. Bon, ben, pour le moment, on n'a pas trop le choix. Il va falloir aller dans ce sens-là, et puis dans ce sens-là, et puis surtout faire ça et ça. Voilà. Bon, au pire des cas, je déclarerai la guerre à Mazandaran si ça devient un problème. Mais je pense pas, parce que... En gros, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, qu'une loup s'est fait déclarer la guerre dessus, c'est ça? Défenseur face à Chirin dans la conquête Chirvanie de Erbil. Ouais, carrément. Et donc, du coup, toi, t'es venu pour aider ton allié. Mais, eux peuvent rien te faire, en fait. Donc, ils vont pas te bouffer. Ils vont juste, dès le moment où ils auront occupé ça, ils vont se barrer, et puis ponct, quoi. Là. Voilà, puis nous, on a juste que ces deux-là à faire. Donc, toi, tu vas aller là. Parfait. Nickel. Ah, tu vas aller. Ça se voit ? Et là, alors, si tu veux. On peut peut-être même les aider, en fait. Allons les aider, ça va prendre moins de temps. Puis soyons honnêtes, on veut ça, ça et ça, et ça va donner quoi? Pas de problème. Très bien, alors, pour ce qui est de ça, Gird. Dans l'état de Gird, le bien nommé. Très bien. Et puis on était ici, c'était ici, hein, avant. Tu peux l'enlever. Super. Et on continue notre guerre. Voilà, ils sont dessus. Voilà, maintenant ils devraient pouvoir le sortir.
Ils l'ont sorti. Et on commence à l'assiéger de notre côté. Fin de la trêve avec Gujarat. Une belle jambe. On va vraiment commencer à aller du côté de Shirvan, puis commencer à avancer dans ce côté-là. La Russie existe. Ce sera certainement possible de la re-rivaliser, non? Bon, on l'a déjà rivalisé, en fait. C'est pas un souci de ce côté-là. Qu'est-ce qu'ils valent, d'ailleurs, militairement, by the way? Ils sont... à 5, ça va, c'est correct. Ils sont à 98 000 troupes, 180 000 possibles. C'est pas exceptionnel, mais c'est fonctionnel. By the way, on voit qu'on a maintenant l'argent. On peut peut-être refaire... Si je te conforme au nom de modèle, il me faut 532, d'accord. Quand on aura 532, on te conforme au nom du modèle. Parfait, on y était. On les attendait, on revient ici. Les prochains, c'est des Mazandéraniens à Laïdjan ou Rekt. Ça va être à Laïdjan a priori. Va. Alors, va si c'est plus rapide comme ça, et toi, va te mettre ici. Pas de souci. Parfait. Nickel. Ok. Bon, ben, on est bien là pour le moment. On est bien, on a bien consolidé notre région là. Dès qu'on pourra attaquer Jaunpur, on attaquera Jaunpur. C'est en 1619, c'est 3 ans. Et une fois qu'on aura fait ça, on aura a priori toutes les provinces de culture. Hindoustani pour nous. Et donc, du coup, on aura encore une baisse du coût des légitimations. Ça va devenir absurde, hein, honnêtement. Et on pourra vraiment se faire plaisir pour notre conquête de l'Europe de ce côté-là. Ce sera probablement quand même pas trop le souci. Je me demande... Et je suis sérieux quand je dis ça, s'il ne serait pas intéressant pour nous de passer sur les doctrines d'espionnage, ne serait-ce que pour ça. En fait, uniquement pour ça. Mais parce que après, en Europe, quand on attaquera des chrétiens, quand on attaquera des Allemands dans le Saint-Empire, ça va être quand même compliqué. Mais il faut qu'on commence à se bouger. Hein. C'est joli, c'est bien, c'est cool, mais il faut qu'on commence à se bouger dans cette direction-là maintenant. Ça devient vraiment nécessaire. Je pense que l'Inde, on va attaquer, on va quand même aller du côté de... On va quand même prendre ces deux provinces, ces trois provinces qui nous restent pour la culture... Hindoustani, hein. On est d'accord, on contrôle, c'est bien ça. Ouais, c'est ça. Une fois qu'on a ces trois provinces, eh bien, on... Je crois, hein. Ouais. Une fois qu'on a ces trois provinces, on arrête de regarder du côté de l'Inde, complètement. Et d'ailleurs, on n'a pas une mission... La frontière afghane, non, mais on l'a déjà fait. Le rêve d'Abu Saïd... Ouais, on a des... Il nous faut Tabriz. C'est nous qui devons le détenir, donc bon, on va le prendre assez vite pour notre vassal, mais on ne le détiendra pas tout de suite, tout de suite. Ok. Mais bon, on verra tout ça, de toute façon, dans les prochains épisodes, puisque celui-ci est arrivé à son terme. Je vous remercie de m'avoir suivi, et je vous dis à la prochaine. Bye bye.